Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de survie du week-end. Donc on va continuer notre exploration ici, et je pense que ce sera plus ou moins le dernier épisode pour l'exploration. On va retourner dans la mine, donc je suis équipé. Ah tiens, il faut que j'ai du café. Je crois que j'ai posé le café qui était à 100 de calories, je vais le récupérer au cas où. Parce qu'on va prendre la corde, il faut aussi qu'on enlève des vêtements. Ça, j'ai de l'eau. Alors j'ai mangé toute la viande qu'on avait. Donc du coup on n'a plus de lapin, on n'a plus d'oiseaux, rien. On va virer ça. Quoi? Risque d'insomnie? Pourquoi risque d'insomnie? Ah, oh, ok, on a un brouillard. Ouais, on a un brouillard du coup. C'est la journée. Ok. Bah du coup, je sais ce qu'on va prendre. Je sais ce qu'on va prendre. Oh putain, j'arrive pas à la prendre. Starting to feel numb. Non. J'arrive pas à la prendre. Lampe de poche. J'arrivais pas à l'attraper. Apparemment, j'ai des gros doigts. Bon ben voilà, on va utiliser la lampe, c'est bien. Alors du coup, vu qu'on a froid, on va passer par là. On va passer par l'intérieur. Donc j'ai une bombe de peinture et tout ça. Donc ouais. On va pouvoir mettre des croix et fouiller un peu. Alors c'est possible qu'on n'ait vraiment rien à trouver par contre, hein, parce que la dernière fois on avait fait une petite partie quand on était descendu et là et qu'on avait trouvé un autre endroit et tout ça. Donc s'il faut il y avait que ça, hein, s'il faut il y a rien de très très nouveau, hein, donc on verra ça. Donc peut-être que l'épisode sera court, on verra ce qu'on va faire. Mais ouais, techniquement je pense que ça va être le dernier épisode d'ici pour ouais, pour la région. Parce que le problème que j'ai, c'est que on commence à avoir un peu de... Attendez. On peut passer par là, en fait. Bah, on peut directement descendre par là, voir un peu ça où ça nous mène. Parce qu'on commence à être à court de nourriture. J'avoue, j'ai pas trop envie d'utiliser tout ce qu'on a trouvé en nourriture. Donc, genre les massettes et tout ça, j'ai envie de garder des ressources de côté. Parfait. Donc voilà, il y a ça. Ça, c'est un petit problème qu'on a. Et je pense qu'on a plus ou moins tout fait aussi. Donc, voilà. Ah, par contre, j'ai pas pris de cartouches pour l'oxygène. J'en ai une sur moi, je crois. Donc, faudra faire attention. On va éviter le gaz. On va éviter le gaz. Donc, ah oui, je sais, c'est froid. Donc ça... Ça, c'est l'histoire. Ça, on revient à l'histoire, en fait. Donc, on va voir là-bas. Alors, je crois qu'il y avait du gaz. Faut faire attention. Sure getting cold. Donc, ouais, on va fouiller un peu ça. Mais ouais, c'est possible que ce soit le dernier épisode de cette zone. Parce que comme j'ai dit, alors je l'ai pas encore fait, mais on va faire une liste des thermos à récupérer. Des gourdes. On va faire une liste. Et on va un peu se balader aussi. Et on va voir. Oh. On va voir en fait ce que rajoute aussi le genre le travois et tout ça. Par rapport aux autres zones. Tu peux pas garder ta lampe vers le bas, s'il te plaît, quand tu cours. Bon, j'avais dit qu'on éviterait le gaz, mais... Elevator. Toxique gaz. Je me demande si... J'ai pas trop envie de tenter ce côté-là, moi. Parce qu'il y a un panneau et tout ça qui nous dit danger pour une fois.
Et on a 15. Ouais, j'en ai pas pris d'autres, c'est là. Ouais, j'ai qu'un seul filtre. Ouais, on va peut-être pas y aller. On va aller là pour le moment. Donc elevator. Donc ça c'est pour sortir. Moi je veux un peu aller là. On se balade un peu. Donc ça, on avait trouvé, on avait fouillé, ça marche. Ah oui, ça c'était avec la boîte. Ouais. J'éteins pour recharger un peu la batterie. Moi, il n'y a pas grand chose en fait. Et ça, c'est l'ascenseur. J'ai un peu peur en fait qu'on ait tout fait. Hein. Je vais être honnête. J'ai un peu peur qu'on ait vraiment tout fait en gros, au final. Ah. Alors on va essayer la zone toxique, mais on va peut-être faire demi-tour si vraiment il y a beaucoup de gaz. C'était où? C'était à droite. Hein. Mais ouais, c'est possible qu'on ait vraiment tout fait en fait. Si jamais il y a vraiment rien à explorer, je couperai et on passera à autre chose. Alors, ok, ça marche. On est prêt? On est prêt. Ligne droite. Ça, ça s'appelle un cul-de-sac, ça. Bouger le cul. Ah, ça, on l'a fouillé. Ok, on change. Ça, c'est aussi un cul-de-sac, ça. Ça va pas être drôle. Oh, aïe aïe aïe. Ah, ça va être marrant là. Mon dieu, oh 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 mon dieu. Oh mon dieu. Dépêche, dépêche. Ok, c'est bon. Ouf. Et on n'a plus de lampe. Eh ben. Eh ben, le masque à gaz est vide. C'est un truc que je suis en train de me demander aussi. C'est un peu bête, mais je crois qu'on peut pas recharger les cartouches du masque. Donc techniquement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille genre à la limite d'un gaz, que je mette une cartouche dans mon inventaire, une neuve, que j'aille dans le gaz, que ça utilise toute ma barre, et après elle changera automatiquement. Parce que là, la cartouche, elle est presque vide. Là.
quasiment vide. Qu'est-ce que j'ai fait? On ne sort pas les allumettes, ça va pas la tête. Alors ça... On va mettre celui-là. Mais pas que. On va mettre danger aussi. Voilà. Ah. J'avoue avoir eu peur. Honnêtement, avoir... Ouais, Là, si c'était un tout petit peu plus long, on serait mort. Hein. Et en plus, on meurt direct. Hein. Ouais, ça va, il y a encore un peu de pile. On meurt instant. Hein. C'est pas genre... la vie... On a encore genre notre vie qui baisse et tout. Non, pas du tout. Hein. On meurt. Hein. C'est fini, là. Hein. On perd notre sauvegarde. On perd notre survie. Ouais, je crois que... Ça va, j'ai... je crois que... J'ai eu ma dose de fun. J'ai eu ma dose de fun, ça ira. Non, merde, attendez. Ah, j'ai même pas changé. Ah oui, j'ai aussi la ceinture là. Maintenant, je la garde, la ceinture. Sur moi, je la garde sur moi. Pourquoi? Parce que c'est honnêtement parce que c'est unique. Est-ce qu'elle est vraiment ultra utile? Bah pas vraiment, comme j'ai expliqué. Mais voilà, je la garde. Je la garde. Genre c'est vrai que quand on est en intérieur, on peut faire ça. Mais voilà. J'aurais bien voulu que cette qu'on n'ait pas besoin de l'équiper. Oh là là, ça aurait été vraiment vraiment super fun et super bien si on n'avait pas besoin de l'équiper. Bon, on va rentrer à notre camp. Il y a un truc aussi qui peut être vraiment pas mal, c'est pour pêcher. Parce que je pensais au lac mystère, là. C'est vrai que le lac mystère, vous savez que quand on pêche, on est quand même assez loin de la cabane. Enfin, quand moi, je pêchais, on était assez loin de la cabane. Et la chose embêtante, en fait, c'est que... Ben, on reste longtemps, on se fatigue. Déjà de 1, on se fatigue. Et après, au bout d'un moment, on a beaucoup pêché. Enfin, les poissons pêchent très lourd, la plupart. Ils sont toujours extrêmement lourds. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un travois, en fait. Et de tout ramener. Genre, je sais pas, une cinquantaine de kilos de poissons. Quoi. Ça serait très, très cool, en fait. Très, 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 très sympa, ça. Et je pensais à ça. Ça, c'est vrai que ça va nous aider, en fait, de faire des petits voyages comme ça. Ça va vraiment nous aider avec le travail. Très bien. Ah, ce que je vais vous montrer, mais normalement, je peux pas changer les filtres. Ah, ou à moins, il faut peut-être porter le masque. Bah non, je l'avais testé. Non, regardez, là on, la barre est tellement... Elle est presque vide, mais il y a un. Si je fais ça, ça fait rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de touche, en fait. Alors attendez, on va voir, on va tester un truc. Non, il y a des trous. Parce que je me suis dit peut-être que le filtre il va apparaître ici, mais non. Non. On peut pas manger ni boire, je crois.
Impossible de manger et boire en portant un masque filtre. Ah, très bien. Donc vous voyez, c'est un peu bête en fait. Moi ce que je vais faire, je vais pas le faire maintenant parce que ça sert un peu à rien, mais tout à l'heure, entre deux morceaux là, je vais me mettre avec le masque, on va aller dans une zone contaminée, je vais baisser la barre jusqu'au maximum, comme ça on aura une cartouche pleine. Parce que si on a le masque sur nous pour avoir une cartouche vide à l'intérieur, là ça sert à rien quoi, ça sert strictement à rien. Techniquement on peut le faire maintenant, on n'est pas loin d'une zone. Ah oui, ce que je voudrais voir c'est là-bas s'il y a des choses à récupérer. On a du vent et tout, c'est chiant. Oui, c'est vrai qu'il faudrait aller dans ce coin-là aussi. Surplomb, ouais. Elle est là et on va faire ce que je disais. Toujours pas. C'est bien. Donc range-moi ça. Voilà. Voilà. Même s'il a un peu souffert, le temps de l'enlever. Mais maintenant, voilà, on a une cartouche au moins qui est plus ou moins pleine, quoi. C'est sympa de jouer avec le masque, honnêtement. Moi, je trouve ça super cool. Je trouve ça super, super cool. Mais voilà, au moins, on a le masque qui est chargé. Mais c'est vraiment bête hein, qu'il n'y ait pas d'option pour changer les filtres. C'est un peu débile. Ah, du coup, en tour, on en a utilisé 4. Et encore, là, on en a utilisé 1, c'était pas vraiment nécessaire. Mais ouais, en tour, on en a utilisé 4. C'est pas beaucoup, hein, au final. C'est pas beaucoup. Je suis assez content de moi. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il nous en reste 13. Donc ouais. En tout cas, on va faire une pause ici. Moi, je m'arrête ici. Parce que ça sert un peu à rien de tourner en rond. Ce que je vais faire, par contre, je vais voir si vraiment on a fini avec la zone. Si jamais il n'y a rien à trouver... Parce que nous on est donc là, il y a ici, donc nous on l'a fait, il y avait juste un bâtiment. Je voudrais bien voir en fait ça, peut-être qu'on va faire le tour de ça. Mais il faut attendre que le temps s'améliore là, parce que sinon ça va être un peu la merde. Mais ouais, on va peut-être faire le tour de ça. Et après encore une fois, si jamais il y a rien du tout, je couperai encore une fois, etc. etc. Donc voilà, là on fait vraiment les petites parties qui nous restent. Donc voilà. En tout cas, sûrement à tout de suite. Ok, on est reparti, je viens juste de passer quelques heures. Par contre, il est presque... c'est presque la nuit. J'espère qu'on aura une bonne visibilité. Donc ouais. On va aller... dans le... genre devant la mine, vous savez. Dans le trou, là, à droite. A quarry. Ça en anglais, je crois. On va aller là. Donc c'est juste après le brouillard, donc bien sûr j'ai l'insomnie, hein, évidemment. J'ai bien sûr de l'insomnie, c'est cool, ça fait plaisir. J'ai mis un repos amélioré, mais bon. On a 30 heures d'insomnie, c'est le fun. Après on n'a pas perdu de vie, donc ça va. On n'a pas vraiment besoin de dormir, c'est ça que je veux dire. Donc ça devrait aller. J'étais aussi en train de... ah bah voilà, il y a des trucs à fouiller quand même. Ouais, il y a des trucs à fouiller, on y va. Une chose aussi, j'étais en train de me dire quoi. Oui, les flèches. Parce que là, j'en ai repris. Donc, j'en ai encore 10 sur moi.
Et j'ai regardé les pointes de flèche qu'on a. Je crois qu'on est monté à 7 ou 8. Donc ouais, notre petit tas de flèches en fait commence à diminuer, j'avoue. Il diminue petit à petit. Donc on avait vu un véhicule là-bas. Donc ouais, c'est assez sympa quoi de voir ça. Donc c'est bien qu'on soit venu avec plein de flèches. Je pense que les flèches qu'on a là, je vais les laisser. Je vais même laisser l'arc qui est à 100%. À la limite, peut-être que je peux prendre des bois. Quoique non, j'en ai plein du bois pour faire du travaux. Non, j'en ai pas besoin. Il était où le truc? Il était derrière ça, je crois. Ah, regardez, là, il y a des tonneaux et tout ça. Faut fouiller. Après, est-ce que là, il y a des choses? Ça, c'est tout toxique, mais il n'y a rien. Ah, là, il y a du... Là, il y a du bordel, là. Alors, je sais pas si on l'avait fouillé, celui-là. La première fois qu'on était venu. Après, ah oui, il y a une autre chose qu'on pourrait faire, c'est la diapositive, là. Ça, on en a fait qu'une seule sur deux, qu'une sur deux. Donc, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, aussi. Mais vu que ça s'affiche pas sur la carte, je sais pas où c'est. J'ai pas envie d'aller me spoiler, mais j'ai pas envie d'aller me balader non plus, genre 150 ans, quoi. C'est marrant parce que... Ouais, la zone de poison, en fait, elle est assez restreinte, ça va, ça c'est bien, ça. Bon, on fait voir un peu ça. Ouh, c'est quoi ça, monsieur Brutal? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Y a rien en fait. Ouais, y a rien en fait. C'est un peu bête, ça manque d'objets en fait perdus. Alors normalement, on est bon là ou pas hein? Je crois qu'on est bon. 23. Ouais, on est bon. Yo. T'es sérieux? On est bon. On va rentrer là, on doit être à 30% ou un truc comme ça. Hein. 37. Bon, bah, ça valait le coup. Quelques petits objets par-ci par-là, quoi. J'aurais bien voulu des filtres, mais bon. Ouais, ça doit être la fin. Ouais, on va pas aller dans la mine parce que normalement c'est le floor niveau 3, donc j'ai pas envie d'y aller. Sinon il faut se taper toute la corde là pour monter. 37. Où est-ce qu'on remonte du coup lui? Faut que je fasse là, le tour là. Ouais, là je crois. Juste refaire un petit tour, voir s'il n'y a pas grand autre chose. Ah, what?
Ouais, je pense que c'est bon, on peut partir. Ah, on n'est jamais monté aussi haut. Hein. Là, faut faire gaffe. Là. J'imagine que là, si vous n'avez pas des vêtements qui protègent, si vous n'avez pas les bottes, vous allez perdre énormément. Donc on a récupéré une deuxième veste de mineur, elle est à 82%, c'est très bien. C'est très très bien. Allez, on se casse. On va rentrer. Bon, je suis pas... Ouais, ça va. Enfin, pour le taux de boîte qu'on a trouvé, honnêtement, je suis pas déçu. Hein. Parce qu'il y avait quand même très peu de choses, donc ça va. Je pense que je vais faire un tri sur ce que je vais utiliser. Maintenant, ce que je vais prendre pour rentrer à notre camp. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait un épisode sur ça ou pas? Ou alors je rentre de mon côté, en fait. C'est un peu ça, la question. Parce que bon, c'est pas vraiment super intéressant à regarder. Ah, peut-être qu'on rentrera ensemble. Mais je vais devoir faire des coupures pour... si on utilise le travois, je vais devoir faire des coupures pour transvaser les choses. Mais il faut que je fasse un tri. Je pense que je vais surtout privilégier donc tout ce qu'il y a pour faire de la nourriture, pour faire du cooking en fait. Ça oui, ça on prend avec nous. Ça on prend absolument avec nous parce qu'on fait pas de cuisine en fait autre part vraiment. Après il y a certaines conserves. Ah, le problème que je vais avoir, les conserves, c'est qu'elles vont prendre du poids. Et ça je peux pas les mettre dans le travois. Ça c'est un peu embêtant. Tiens, j'ai vu des gens qui faisaient jetaient des objets en fait depuis les hauteurs. C'est vrai que j'avais jamais fait ça, jamais testé aussi. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que par exemple, vous êtes sur une montagne et il y a une corde, vous vous mettez à côté de la corde, vous allez vraiment au bord en fait. Genre le bord, le maximum, le bord jusqu'à ce que votre personnage en fait est tellement bas, mais vous pouvez plus remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bloqué en fait. Et vous mettez à l'extrémité de la bordure et vous lâchez des objets. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le jeu... Il y a des loups. Le jeu va lâcher les objets par terre. Et du coup, vu que vous êtes vraiment à l'extrémité, et ben du coup, il va les lâcher en bas. J'ai vu ça. Il va les lâcher en bas. Et après, pour remonter, vous prenez la corde. Ou alors, vous descendez avec la corde. Bon, on testera, honnêtement. On testera. Mais j'ai vu, ouais, des gens faire ça. C'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça. Mais, ouais, c'est une façon de pouvoir prendre les cordes, en fait, plus facilement. Ah bah oui, bah du coup, oui. Du coup, oui. On va se mettre... là. On a deux sets, sympa ça. Ah, ça me donne envie de le prendre avec moi en fait. Deux sets de mineurs. Ça, je vais les laisser là, parce que comme j'ai dit, ça sert à rien. Les flèches aussi. Je pense que toutes ces flèches, je vais les laisser. Et l'arc aussi. Je crois que je vais pas toucher. Je vais prendre quelques pots de serre. On va peut-être les utiliser, certaines, pour coudre mes habits. Aussi réparer le travois, évidemment. Il est quasiment à 30%. Ça, c'est toujours là. Mais ouais, je pense qu'on va dire adieu à cette zone. Ça m'inquiète un peu quand même de voir que le masque filtrant continue à se dégrader. Ça m'inquiète beaucoup même avec le temps. J'espère vraiment qu'ils vont fixer ça en fait, avant que
avant qu'il atteigne 0, parce que sinon on pourra plus jamais l'utiliser, ça serait un peu débile quoi. Il y a ça, il y a les bottes aussi, je suis un peu dégoûté que bah, les bottes soient pas réparables, parce que ça veut dire qu'au final elles vont elles sont vouées à crever et on pourra plus jamais les utiliser. Après, est-ce que c'est vraiment très très embêtant? Non, non, on peut, c'est pas, non, ça, on peut faire sans, mais voilà quoi, c'est chiant. C'est chiant, parce que tout se désagrège au bout d'un moment. Si on les... J'ai vu des gens, mais bon, ça faut de la dédication, putain, faut être dédié à faire ça. Genre les gens qui trouvent des habits, tout ça, genre tous les, je sais pas, 30 ou 50 jours dans le jeu, ils retournent à l'endroit où ils ont laissé les habits et ils les réparent en fait. Ils les remettent à 100% parce qu'avec le temps tout se désagrège en fait petit à petit, donc tout va être à zéro à part ce que vous avez sur vous, parce que vous êtes tout le temps en train de réparer les choses. Mais ouais, ça m'a fait marrer de voir ça. Je me dis putain, les gens ils ont vraiment un emploi du temps bien précis, hein. Moi je joue pas autant au jeu. Moi je joue pas au jeu quasiment en dehors des épisodes, à part entre deux épisodes pour faire certaines choses, mais c'est tout quoi. En tout cas, on va s'arrêter là. Je pense pas que ça va être la fin de l'épisode, parce que sinon il va être extrêmement court, on verra ça. Je vais sûrement le rattacher en fait à autre chose. Peut-être le fait qu'on partira, voilà tout simplement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé pour le moment, et sûrement à tout de suite. Et nous sommes enfin de retour à la maison. Donc il s'est passé quelques mois. On va dire que j'ai fait une pause sur le jeu pour faire simple. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais quelques petits morceaux de vidéo que vous avez du coup vu au début de cet épisode, où je faisais un peu le tour de ce qui nous restait et tout ça. Et au final, en fait, on était à la fin tout simplement, hein, bien sûr, de la zone contaminée. On avait vraiment, vraiment tout fouillé, absolument tout fouillé. Donc il n'y avait plus grand chose à faire, à part mourir de faim, parce qu'il n'y avait pas grand chose à manger du coup. Et là, donc le mois prochain, on va avoir la partie 5 avec des améliorations et tout ça, nouvelle zone et tout. Et donc je me suis dit, c'est l'heure en fait de se remettre un peu dans l'ambiance de The Long Dark. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un peu tout ce qu'on avait là-bas, enfin la plupart des choses. Et je suis tout simplement rentré. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'était pénible. Et honnêtement, c'est assez ridicule maintenant, parce que j'ai tout simplement pas assez de place. Hein. J'ai plus pas assez de place. J'ai ramené des fusées nautiques. Je dois en avoir encore plein. J'ai ramené des fétous. Ça, il nous en faut. Des pétaradeurs, là, il nous en faut absolument. Donc ça, c'est ce qu'on avait ramené quand on était allé visiter la zone avec les loups gris. Donc ça, c'est une très très bonne chose d'en avoir. J'ai ramené des pommes de terre, des carottes. On a aussi des cartouches pour le masque, du coup. Le masque il est où? Ah oui, il est là. Donc voilà, donc si jamais on a vraiment besoin d'utiliser encore le masque, on peut le prendre. J'ai plus de feu. C'est en pleine nuit et je voulais pas vraiment me dormir et tout, je voulais vous montrer. Donc j'ai ramené ça aussi. La plupart du temps, c'est tous des trucs en plus en mauvais état, donc je peux pas les ranger nulle part. Et ça, je crois que c'est le truc le plus chiant au monde, hein. Comme d'habitude, ça va pas changer. L'appareil, il y a beaucoup de trucs en mauvais état, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, on peut toujours faire de la nourriture avec, genre l'avoine et tout. On peut toujours l'utiliser pour faire ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai encore ramené d'autre? Ah oui, j'ai ramené une paire de... Tout ce qui est mineur, en fait, j'ai une veste, un pantalon, des bottes. Et après, j'ai mis deux casques et il reste encore de l'équipement. Tiens, c'est quoi ça? On va se mettre ça. J'ai aussi laissé un peu d'équipement dans la zone contaminée, mais bon, c'est pas comme si on allait y retourner. J'ai aussi ramené du coup le gilet pare-balles aussi. Ça a pris beaucoup de temps, honnêtement, c'était vraiment pas fun à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste? J'avais pris récupérer aussi des fusées de détresse, parce qu'on en avait pas mal, donc je les ai toutes ramenées. De toute façon, c'était pas très très lourd. J'ai ramené la pépite d'or aussi. La pépite d'or, je sais que ça sert à rien. Mais j'ai ramené la pépite d'or. Et puis voilà quoi. Ouais, non, c'est bon. J'ai ramené des trucs. Voilà, tout simplement. Donc je suis encore à... Voilà, on est encore à 45 kilos. Honnêtement, je sais même plus comment baisser mon poids. Donc ça va être fun de faire le ménage. Mais ouais, on se... Tout simplement, on se prépare en fait
pour la nouvelle mise à jour et le fait qu'on va devoir combattre un cougar et tout. Donc voilà, on se prépare tout simplement pour ça. Et ouais. Donc ça va être fun, ça va vraiment être fun. Mais je voulais vraiment finir cet épisode en fait et vous expliquer ce qui allait se passer. Donc ouais. Donc je pense que le prochain épisode, encore une fois, il va avoir une sorte de pause parce que pour le moment, The Long Dark, c'est pas quelque chose dans lequel je suis vraiment dedans. Mais on va sûrement reprendre pas mal les épisodes quand il y aura du coup cette nouvelle mise à jour qui va nous permettre de combattre le cougar et tout, des nouvelles mécaniques et surtout la nouvelle zone. Donc on va tout simplement dormir. Est-ce qu'on est bien? On va boire un coup. On va tout simplement dormir. Ah oui, j'ai récupéré tout ça aussi. Je les avais mis dans une caisse. Donc je sais plus vraiment pourquoi je les avais pris. Je crois qu'on peut en faire du café maintenant. Ils sont à 0,01. Donc ouais, je crois qu'on peut en faire du café. Donc je le ferai ça aussi quand j'aurai le temps. Donc ouais, voilà. Ça sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se reverra donc pour le DLC. Enfin, le DLC, pardon. La partie 5 du DLC, plutôt. Donc, ouais, ça va être fun. En tout cas, si vous n'êtes pas encore au courant de la partie 5, regardez sur ma chaîne. Il y a une vidéo, en fait, qui explique la partie 5, les nouveautés et tout ça. Il y a même un nouveau mode de jeu, donc on va peut-être le tester aussi. Donc, ça sera sûrement une sorte de nouvelle survie, en fait, par rapport à ça. Mais ouais, que des bonnes nouvelles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.